Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode sur la bêta fermée de Monster Hunter Online qui est disponible déjà depuis le 21 avril, qui a été ouvert donc pour seulement le marché chinois, hein, comme vous le savez déjà. Mais j'ai pu, grâce à tupi.com, de pouvoir gagner un compte et donc de pouvoir tester cette bêta. Nous allons faire donc ensemble, pas à pas, du début jusqu'au maximum où est-ce que je pourrais aller sur Monster Hunter, donc de la création du personnage hein, jusqu'aux quêtes, les tutoriels, tout ce qui entoure donc Monster Hunter. Sachant que pour la plupart des épisodes dureront une heure, à peu près. Bref, nous allons donc commencer à vous montrer donc la création des personnages. Hein. Comme vous avez déjà pu voir selon les articles que j'ai pu faire sur notre site bloodyberserker.fr, on a plusieurs possibilités, enfin assez limitées en soi dans le sens où c'est un peu comme les possibilités qu'on avait déjà sur PSP. Donc au niveau des visages on a que 5 choix. Donc là il y a les flèches mais voilà on a que 5 choix donc c'est assez rapide. Donc vous pouvez voir qu'il y a aussi des détails hein, que vous pouvez changer, donc là on voit pas grand chose. Bref, là aussi des sourcils, etc. etc. Il y a beaucoup de personnalisation. Couleur de peau, hein, comme vous en doutiez. Les cheveux. Il n'y a que 2 pages, hein, c'est. Si vous remarquez bien, les anciens, c'est des coupes de cheveux qu'on avait déjà sur PSP. Déjà depuis Monster Hunter 1, d'ailleurs. Après les couleurs. On peut choisir comme ça aussi. Les sous-vêtements. Un qui fait plutôt ancienne Chine, alors que l'autre fait un peu plus polaire. Donc on n'a pas d'autres pages, hein, c'est pareil. On choisit comme on veut. Et pour ce qui est aussi des tatouages, pareil, on n'a qu'une seule page. Et c'est assez limité pour le moment, mais bon, vu que c'est qu'une bêta, je pense qu'ils vont rajouter pas mal de choses plus tard. Pour ce qui est des femmes, c'est pareil, je crois que qu'il y a 2 pages de coupe de cheveux, t'en as pas plus que t'en as pas plus que chez les hommes, hein. Pareil pour les visages, hein. Il y en a 5. Pareil pour les vêtements, ça change pas. Pour les tatouages, c'est pas les mêmes, mais il y a le même nombre. Voilà, voilà. Tac. Nous allons donc commencer sur le personnage que j'ai créé d'avance, hein, vu que les serveurs sont un peu. Doivent être un peu surchargés, j'ai eu du mal un peu à le créer. Donc on va essayer de. Ouais, les serveurs ils sont quand même. Bien complets. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis pendant ce live. Donc voilà, j'ai recommencé un personnage, hein. J'avais déjà fait auparavant un personnage que j'avais monté jusqu'au niveau 7 à peu près, mais je me suis dit qu'il serait préférable que je recommence à zéro, faire pas à pas ensemble. Comme vous avez pu le voir, les graphismes sont pas super hauts. C'est moi qui ai mis ce mode, bien évidemment. Je préfère la fluidité qu'à la qualité de l'image, bien évidemment. À savoir, pour ceux qui voudraient donc connaître ma config pour avoir mis une qualité pareille, c'est une GT 740M. Donc, oui, en effet, je joue sur PC portable avec 8 Go de RAM sous un i7. Donc. C'est pas non plus super mauvais, mais voilà. Alors, je passe en QWERTY pour
pouvoir bouger. Je vais vous faire plusieurs tests, tenez, de la qualité graphique qu'on peut avoir, par exemple en extrême. Parce que au moins le jeu permet donc d'avoir une assez bonne qualité. Ah, ça c'était. Voulez-vous garder les paramètres? J'en suis sûr. Très intéressant. Donc voilà. Donc là, et encore, c'est un peu moche parce que la carte graphique, elle est assez naze. Mais vous aurez un meilleur aperçu, un meilleur rendu, pardon, sur votre PC si il est vraiment au top. Je vais retourner sur ma propre qualité. Ah oui, je vais vous montrer aussi, bien évidemment, la pire des qualités que l'on peut avoir, à peu près la même que je vous avais mis tout à l'heure. Mais voilà, en bien pire. Donc si vous avez vraiment un PC assez naze, si je puis me permettre, je pense que vous pouvez le faire tourner, hein. Alors, on va retourner sur la qualité qui était juste avant. Bon, c'était pas trop ça. Mais comme c'est un petit peu moche, là que c'est pixelisé, j'essaie de retourner en 1900. Fin. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, il y avait. Je sais pas quel est son nom, malheureusement, hein, je peux pas parler chinois. Qui va nous entraîner en quelque sorte sur. Comme si c'était un tutoriel, quoi, nous donner des quêtes pour le début. Et le chat qui va, lui, à chaque fois nous donner des indications sur ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Alors là, les deux hurluberlus, vous voyez au loin, ces deux PNJ qui vont donc jouer avec vous, hein, tout simplement, au cours de votre aventure, et seulement pour le début, hein, pour les débutants. Donc il y a à droite fusil arbalète. Et celui de gauche, c'est un épée bouclier comme vous. À savoir qu'au début, on a forcément l'épée bouclier. Et il faut, à l'aide d'une quête, on va débloquer une sorte de jeton, un token qui va nous débloquer une arme. Donc là, on apprend à jouer, hein, pour vraiment les débutants. Au moins, vous faites la main sur PC, hein, parce que c'est. Carrément autre chose. Bref, là c'était des petites techniques pour. Ouais, ça. Donc là, ça c'est espace normal, tu cours pas. Tu arrêtes de courir. Et hop. Tu fais une roulade. Parce que si tu continues de courir et que tu sautes, ça te fait ça. A savoir que sur PSP, quand un monstre nous attaquait, à ce moment-là, tu sautes. Et toutes les attaques qu'il te ferait. Ça sera pas compté, t'arrives à. Il te toucherait pas. Donc je sais pas si sur PC c'est un peu la même chose ou pas. Cette tête de con qu'il a mon personnage, putain. Mais bon. J'ai créé Vifissa, j'ai pas voulu m'embêter. Ah oui, un petit truc. On peut pas diriger son attaque. Attends, je vais vous expliquer. Là, tu vois, je suis obligé d'attaquer tout droit. Je peux pas me retourner un peu vers la droite pour changer. Je suis obligé d'arrêter mon attaque pour pouvoir me rediriger. Pendant que tu attaques, tu peux pas dériver un peu l'arme vers la droite ni vers la gauche. Ça va forcément aller droit, tout droit. Ce qui est assez dommage.
J'imagine que vous allez bien entendre les touches par contre. Pour ceux qui se poseraient la question, vu que je connais déjà la réponse, il y a plusieurs combos. Bien évidemment, là je fais un peu la même chose, mais à force de jouer sur... Bordel. À force de jouer sur, sur une de vos armes, hein, donc épée bouclier par exemple, katana, etc., etc., vous aurez la possibilité donc de débloquer d'autres combos, d'autres attaques, etc. Donc c'est à vous de vous perfectionner. A savoir que les combos, eux, après s'ajoutent via des raccourcis en fait. Donc genre, soit t'as une seule touche, genre H, ce genre de truc, soit c'est carrément CTRL, F, etc., etc. Et voilà, un écran de chargement quand vous vous déplacez, donc quand vous retournez dans votre zone. Alors, quelle est cette zone? Tout simplement celle où on arrive tous pour prendre des quêtes, que ce soit les débutants ou les vétérés, puisque là je vois que t'en as qui a pas un mauvais stuff. Hein. D'ailleurs, c'est un stuff qu'on avait déjà sur PSP, je me rappelle. Là, c'est du NQQ. Ouais, stuff en NQQ. Beaucoup de stuff en Yann QQ d'ailleurs. Donc voilà ce qu'on gagne dans les quêtes. Donc la plupart du temps on va nous donner des objets. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des objets de prospection, autant des objets qui vont nous pouvoir nous servir pour crafter des armes. Et là ce qu'on gagne, donc ça c'est l'argent pour tous les marchands. L'XP. Et ça pour l'instant je ne sais pas. J'essaie de m'informer pour savoir à quoi ça correspond. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout. Donc là, je reprends une autre quête. Non. Là, j'en reprends une. Alors. Là, on va parler à l'autre PNJ. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y avait. Je vais vous la remontrer. Il y avait la carte avec le point d'interrogation pour pouvoir se diriger, savoir où est-ce qu'il fallait aller. Voilà, juste en bas à droite, et là on nous dit d'aller lancer une quête tout simplement. Ok, il y a un système qu'on connaît. Bon, derrière là, vu que c'est un tuto, on m'empêche de cliquer un peu où je veux, mais derrière vous voyez qu'il y a plusieurs types de quêtes, et après vous pouvez être groupé avec vos autres amis. Hop. Donc là il y a nos compagnons. Qui me demande d'aller dans le coffre, j'imagine. Pour ceux qui connaissent pas, le coffre bleu, qui est important, en début de quête, à chaque fois va nous donner quelques fournitures. Bon là c'est pour une seule quête qui me demande de cuire de la viande, donc ils vont me donner juste une sorte de barbecue quoi. Un barbecue portable. La plupart du temps ce sera plutôt... potion, un objet, un aiguisoir, donc pour aiguiser votre lame, puisqu'à force de combattre, votre lame va être s'émousser. Donc c'est ici, juste ça là, en orange. Vu que c'est une arme en fait qui est en os, bah déjà en fait il est pas très tranchant, donc de base en fait il est orange. Quand votre arme n'est vraiment plus capable de transpercer la peau ou les écailles d'un dragon, elle va carrément être en rouge. Vraiment là elle est vraiment nulle, vous faites rien du tout. En orange c'est un peu moyen. Là, je crois qu'après, un couleur acier, c'est normal. Et après, ça monte. Je sais plus ce qu'il y avait comme couleur. T'avais peut-être du vert ou du bleu. Je sais qu'il y avait un blanc, mais étincelant. Ça, c'était, je crois, pour le niveau maximum. Au niveau de l'aiguiseur, c'est l'arme, elle est super aiguisée. Et plus elle est aiguisée, plus l'arme durera longtemps lors de vos combats. Donc, là, on va se rendre ailleurs. Alors, petit truc. Là, vous voyez les bandes noires, hein. Les petites bandes noires qui apparaissent en haut et en bas. Quand vous changez de zone, c'est indiqué. Hop, ça réapparaît. Bien évidemment, là, le truc rouge assez dégueulasse, c'est que pour le tuto, etc., etc. Il va disparaître après. Hein. C'est pas éternel.
petit truc pour DPC, il faut absolument ranger son arme. Tu vois, là je peux pas. Donc je range mon arme et je les dépèce. À savoir pour ceux qui ne connaissent pas, les petits monstres, on dépèce une seule fois. Les wyverns, les genres de gros monstres alpha, etc., c'est 3 fois. Voire les plus énormes, je crois que c'est 5 fois. Je m'en rappelle plus, ou si 5 ou 6 fois. Et je sais qu'il y avait quelques monstres 2 fois sur PSP, c'était genre les Vélociraptors, les chefs de type Vélociraptor qui eux, c'était 2 fois. Donc là, on va utiliser le raccourci. Et on va chauffer notre viande. Donc là, je l'ai bien cuit. Il y a 2 états, voire 3 états. Il y a 3 états pour manger, pour cuire de la viande. Excusez-moi. Le premier état, c'est une viande qui a été faite de manière normale. Donc elle va vous rajouter un peu d'énergie. Hein, c'est la barre jaune là. Elle va vous ajouter un petit peu d'énergie. Le deuxième état, c'est celui où il faut, faut enlever la viande au bon moment. Là, c'est la viande, elle est super bien cuite. Donc là, ça rajoute encore plus de barres d'énergie. Et troisième état à absolument louper, il faut vraiment pas le faire. Sinon, votre viande, elle est bonne à acheter. C'est viande grillée qui a rajoute plutôt un malus. Parce que quand vous mangez cette viande qui est grillée, ça va vous enlever carrément de la barre d'énergie. Tellement c'est dégueulasse. Donc, c'est carrément loupé. Donc voilà, la quête elle consistait juste, vu qu'on débute, à cuire de la viande. Donc là, on m'a donné un bouquin d'apprentissage. Le souci, c'est qu'en fait, il y a pas mal de bouquins d'apprentissage, de techniques, etc. Mais vu que c'est entièrement chinois, je vais avoir beaucoup de mal pour m'en sortir. Mais voilà, je sais que ça peut nous apprendre des combos, comme ça peut nous apprendre en fait à comment dire, à fusionner par exemple des 2 items pour faire une potion, ce genre de choses. Alors avant de recommencer une autre mission, on va regarder ensemble les raccourcis donc qu'il y a juste en bas. Donc par contre ça je ne connais pas. Vous voyez là ça doit être le ping. 14 je ne sais pas du tout. Bref, pour P c'est l'inventaire hein, comme vous le savez. Donc là on peut voir collier, anneau, boucle d'oreille. Là, je vois pas trop, ça doit être. Ouais, c'est les pieds. Là, c'est les jambes. Là, c'est mains. Là, c'est torse. Là, c'est casque. Et votre arme. Pour ici, en fait, ça se répète. Donc, je pense qu'en fait, ça doit être un double set. Un peu à la même manière de pas mal de MMORPG qui vous proposent, en fait, en une seule touche ou un raccourci, de pouvoir changer l'équipement assez rapidement. D'enregistrer, en fait, votre de présélection de stuff, comme le proposaient déjà les Monster Hunter avant. Hein. Et en fait, vous stuffiez avec ce que vous vouliez. Et ici, je ne sais pas à quoi ça sert, malheureusement. Donc voilà pour l'inventaire. Donc là, maintenant, on a le sac. Donc là, avec l'argent que j'ai gagné. La limite, par contre, vous voyez qu'on ne peut pas emporter beaucoup de choses, mais je pense que ça s'augmente au fur et à mesure. Hein. Donc là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah, c'est pour ranger votre sac selon. Selon des fournitures, là on voit tout, et là on voit que les outils par exemple, etc. etc. Mais là, vu que j'ai rien, ça nous aide pas trop. Là, je sais déjà d'avance, en fait, t'as un coffre que tu pourras déposer donc ton équipement pour pas partir avec dans vos aventures. Ce qui est donc assez sympa, c'est que où vous soyez, sans avoir à aller à votre coffre, vous pourrez voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez positif. Et là, je sais pas ce que c'est, comme vous voyez, il y a 20 pages. Je pense qu'aussi que ça doit être un autre coffre. On verra bien, puisque de toute manière, plus tard, on ira là-bas voir donc rajouter des objets dans notre coffre, mais je crois que c'était plutôt dans le deuxième onglet. Mais là, pour 20 trucs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc maintenant, L, c'est pour les quêtes, bien évidemment. Donc là, on me dit qu'on va me faire gagner tout ça si j'accomplis l'objectif. Donc là, ça se déplie, hein, donc ça doit être la ville, le PNJ et les quêtes qu'il te donne. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Level 1, level 15. Et ça, c'est une quête que j'ai déjà accomplie. Donc ça, je sais pas trop. Est-ce que au level 15, t'as
quelque chose qui va se passer, qui va faire que ça va te changer toutes tes autres quêtes, qui va être un moment clé sûrement. Mais j'en sais pas plus. Alors. H. La touche H. Les pourcentages, donc des armes, des améliorations que vous aurez fait si vous avez réveillé vos armes, etc. Mais là, c'est surtout ouais, le pourcentage d'utilisation ou des déblocages, on va dire en quelque sorte, que vous aurez eu. Là, par contre, je ne suis pas au courant de ce que c'est, donc j'ai carrément demandé à un joueur chinois qui sait parler anglais pour pouvoir lui demander à quoi ça correspond. Parce que là, vous voyez qu'il y a deux trucs, enfin, je sais pas ce que c'est. Ça doit être juste marteau en fait, ça doit être cri. Marteau, ça doit être grosse épée, épée bouclier, katana, tai chi, ça se dit d'ailleurs, pas katana. Et là on peut voir en fait, vous voyez là c'est un combo que je pourrais faire en appuyant sur F, mais qui est bloqué. Donc pour le débloquer, je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que c'est des tokens? Est-ce que c'est les pièces d'or que je gagne justement pour pouvoir débloquer mes autres trucs? C'est sûrement ça. Quoique, j'en ai déjà assez comme ça, par exemple j'en ai 120, et lui, il y a un chiffre 15, on sait pas trop à quoi ça correspond. Je tâcherai de m'en informer lorsque j'écrirai l'article, puisque j'écrirai un article avec toutes mes aventures, pour faire un topo. Et donc là, c'est d'autres attaques encore différentes, vous voyez, là, space, hop, pour faire un jump derrière, donc là c'est des sorts que vous pourriez débloquer. Donc là, clic gauche plus clic droit. Il balance la flèche en hauteur pour qu'elle redescende assez rapidement. Physiquement, c'est pas possible, mais on va rien dire. Donc voilà, il y a plusieurs techniques que tu peux débloquer. Avec les touches, on te montre comment les faire. Si là, t'appuies, en fait, tu appuies ta souris clic droit, mais que tu enfonces pas. Là, l'autre, c'est quand tu l'enfonces un peu plus. Vous voyez qu'il y a de l'énergie qui est concentrée. Et là, c'est plus longtemps. Je crois qu'il y a trois phases. Boom. Et pour ce qui est de ça, j'ai l'impression qu'en fait c'est des capacités propres à vous-même, avec plusieurs rangs. Et donc là, c'est peut-être sûrement ça, c'est réveil des armes, de pouvoir ajouter des trucs. C'est propre à vous-même et surtout en fait, pas des statistiques qui vont sur vous, mais des statistiques qui vont sur votre propre arme en fait, puisque vous voyez que ça change à chaque fois. Donc des statistiques permanentes qui pourront s'ajouter. Dans l'article de dans la vidéo, de toute manière, je vais vous rediriger sur les articles que j'ai pu déjà écrire avant. J'en ai fait 3. Et il y a des informations en fait sur le réveil des armes, le renforcement des armures, et il y avait autre chose aussi. Mais je ne me rappelle plus. Passons maintenant à K. Ça, c'est présélection sûrement de votre équipement, j'imagine. Alors ça, c'est toutes les suites de quêtes en fait qui vont vous. Qui vont dire, tiens, t'as réussi à faire ça, ça et ça et ça. Des quêtes qui sont abordables pour le niveau 1 à 9, après 10 à 19, etc. etc. A savoir qu'à force d'accomplir toutes ces quêtes, on vous donne à la fin un cadeau. Voilà, donc tu vois, j'ai fait 3 quêtes sur 3 là, ça m'a donné 10 points sur les 900. Donc après, tu obtiens un cadeau. Je crois que c'était U. Est-ce que c'est peut-être pour recherche de groupe, recherche de. Ah non, voilà. Le U, c'est en fait on va vous proposer donc tout ce qui est justement les crafts possibles à faire. Donc là pour l'instant c'est surtout des crafts que tu peux faire à la main, donc c'est faire des potions, ce genre de choses. Donc là il y a d'autres onglets qui correspondent à d'autres types de crafts, mais je n'ai rien pour le moment. Donc là pour l'instant t'as potion, normalement t'as super potion avec du miel, avec une potion normale je crois bien. Enfin t'as pas mal de choses qui vont s'ajouter petit à petit. Donc là c'était la touche U, ça c'est N. Donc là on a G maintenant, ça doit être autre chose, mais que je n'ai pas pour l'instant au vu du message rouge qui apparaît. Y, ça doit être la recherche de groupe. De 1 à niveau 55, tu as les mecs qui sont niveau 21, avec leur pseudo, leur type d'arme, et ça je ne sais pas ce que c'est, peut-être le ping, qui apparaîtra en jeu. Et là ils sont 2 sur 4, voilà, il faut 4 personnes, et ils attendent. Là c'est bloqué parce que sûrement qu'il faut un mot de passe pour rejoindre, j'imagine. Ouais, voilà, il faut un mot de passe. Donc voilà, quand vous ferez des groupes, vous pourrez décider d'avoir un mot de passe pour que il n'y ait pas n'importe qui vous rejoint. Et donc là, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit être le type de groupe. Après, ils te font une liste de groupes que soit tu avais déjà rejoint avant, avec qui tu avais joué, je crois que c'est un feedback. Pour ce qui est du B,
Je sais pas, ça doit être les succès que vous avez faits, voilà, ces succès, ce que vous avez accompli, etc., etc. Les défis, par exemple. Le nombre, enfin, le listing de tous les monstres que vous avez tués, le nombre de fois où vous les avez tués, sûrement. Un petit hentai, je sais pas ce que c'est que ça. Ça doit être les joueurs qui ont à gagner leur total de score, et qui est le premier, etc. Donc t'as un listing pas que propre à vous, mais aussi avec tous les joueurs. Et après, voilà les paramètres, hein. Donc c'est soit t'es en DirectX 9, est-ce qu'ils proposeront le 11 plus tard, je ne sais pas, la résolution, le mode fenêtré, ça c'est après la sélection de qualité, donc il y a sûrement dans tout ça, t'as de l'anti-aliasing, qualité de l'image, des ombres, et de la lumière, et de l'eau, par exemple, donc là ça c'est, par contre les deux trucs là, je sais pas ce que c'est, ça doit être... Le son, je crois bien. Peut-être sensibilité souris, là je sais pas du tout ce que c'est. Sûrement les raccourcis, ça. Tout ça. Les trucs par rapport au screenshot, peut-être, je sais pas. Sensibilité souris, alors que là c'était le son. Alors là, peut-être paramètres de chat, je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Parce qu'il y a de l'autre interface à droite, donc t'as un calendrier. C'est tous les événements qui seront donc publiés directement dans le jeu, hein. Vous pourrez avoir un très bon aperçu assez vite. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et ça, c'est. Comment ça s'appelle? C'est celui qui lance le jeu, le launcher. Donc, sûrement une fenêtre d'information, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Dernière news aussi. Enfin bref, au moins vous aurez. C'est quoi ce truc moche? Vous aurez les news directement au jeu. Et le truc que j'ai pas cliqué tout de suite, c'est les cadeaux que tu peux gagner. Parce que c'est remontant de niveau peut-être, parce que je suis niveau 3 et j'ai pas là, donc je sais pas ce que c'est exactement. Mais là par exemple, j'ai envie d'avoir mon cadeau. Là c'est un deuxième. Ça c'est un type de cadeau, ça c'est un autre type, et ça encore. Après, je peux pas. Qui vous donne des golds, enfin de l'argent pour cela, et cela plutôt de l'argent et des items. Ça, c'est les marqueurs pour les nouveaux, toujours. Les marqueurs, vous balancez ça sur un monstre, il apparaîtra sur la carte avec un point rouge, ou peut-être que sur PC ils ont changé. Et au moins, si vous faites tuer ou vous le paumez, et bah, sur la carte vous verrez où est-ce qu'il va se déplacer. Ça, c'est normalement c'est du sommeil. Donc, comment expliquer? Vous pouvez piéger. En fait, t'as des quêtes qui vont te demander de piéger un monstre et de le capturer carrément, pas de le tuer. Donc, pour capturer un monstre, il y a plusieurs moyens, dont le filet ou qu'il soit carrément enterré dans le sol. Enfin, enterré, pas complètement. Hein, c'est au moins la moitié du corps qui tombe dans le sol. Si en plus de ça, le monstre est très très faible, que tu as bien bourriné. Parce qu'autrement, s'il est en forme, bah, tu vas pas le choper. Et bah, tu balances des bombes sonifères dans la tronche, il s'endormira et la mission sera accomplie. Donc, j'espère que je me trompe pas. Mais rouge, normalement, c'est somnifère. Jaune, c'est les flashs. Il y a les blanches, c'est simples projectiles qu'il faut combiner avec justement quelque chose pour qu'il soit rose, soit rouge, soit jaune. Et il y en a une qui est sonore, je sais pas si c'est gris, je me rappelle plus, qui permet aux monstres qui sont sous le sol ou dans l'eau, de les faire sortir de leur élément. Tu balances en fait, par exemple, le céphadrome, une sorte de wyvern qui nage en fait en dessous le sol, dans le désert, bien évidemment, en dessous le sable, pour être précis. Tu balances une sorte de bombe en fait sonore, et là il va sortir du sable. Et donc là tu pourras le frapper comme tu veux. Pareil pour l'eau. Pour le Plesiot, par exemple, un monstre, une wyvern aussi, un wyvern nageur qui vit tout le temps sous l'eau. Et il est vraiment préférable de le faire sortir de la flotte parce que ses attaques, comme les jets d'eau, etc., ça fait assez mal. Et pour ceux qui aussi ont connu des mésaventures, c'est pareil, quand il va essayer de te donner un coup de hanche, c'est un gros monstre assez énorme, il te donne un coup de main, de hanche. Et bah, la plupart du temps, il peut être watch-on, le salaud. Surtout quand il est énervé. Alors, pour récupérer les cadeaux, puisque je les ai eus, il me suffit juste de faire un clic droit dessus pour le débloquer. Donc voilà, deux marqueurs plus de l'argent. Et voilà, deux potions plus deux marqueurs. Le marqueur, tu peux le mettre là.
Donc là, vu que je suis dans la ville, je peux pas l'utiliser, mais on va faire un petit test ensemble. Donc là, c'est pareil, hein, ils vont me demander de continuer mes quêtes tout seul. Donc là, je ne sais pas pour quelle mission on m'embarque. Pas contente, hein. C'est quoi ce bordel? Allez. Ah d'ailleurs, le chat, j'ai pas fait gaffe. Il est... On voit pas avec ça. Bref, vous voyez en haut à gauche qu'il est niveau 1. On peut faire monter son chat. Son féline, d'ailleurs. On peut faire monter son féline. Donc, traditionnellement, on va aller voir le coffre. Donc là, 3 rations qu'on va utiliser pour augmenter sa barre d'énergie, puisque plus elle est haute... Plus on peut enchaîner les combos, courir, etc., etc. Donc voilà, un maximum, alors que la vie peut aller plus loin. Alors, pour ceux que j'ai pas expliqué, pour les nouveaux toujours, le coffre bleu, c'est quand vous commencez des quêtes, le coffre bleu va proposer aux 4 personnes, ou aux 3, aux 2, ou aux 1, même s'il est tout seul, il proposera toujours la même chose, c'est 4 slots. Donc attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir, il est vide. Bon, tant pis. C'est dommage. Je voulais avoir l'aperçu en fait avec les. On va faire comme ça. Donc, imaginez, vous ouvrez le coffre. Et à chaque début de quête, à part quête exceptionnelle, ils vous proposeront 4 potions, 4 aiguisoirs. Je crois que les marqueurs, ils en proposent aussi. Et 4 rations. Donc, par exemple, si t'es tout seul, tu peux prendre toutes les rations pour toi. Et le coffre rouge, à l'instar du coffre bleu qui lui propose des ressources, le coffre rouge, c'est pour les quêtes. Qui te demande de ramener des ressources ou des œufs de dragon, ce genre de choses. Donc tous les objets à rendre pour l'objectif de la quête, c'est à rendre dans le coffre rouge et pas bleu. Donc on va s'amuser à ramasser un peu tout ce qu'il faut. Donc là c'est la prospection. Prospection c'est utile, pourquoi? Ça nous permettrait d'avoir de l'herbe, des plantes médicinales, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous permet aussi d'avoir des champignons et pas mal de choses. Par contre, je le fais plusieurs fois parce qu'en fait, voilà, vous voyez, on peut récupérer plusieurs fois les choses jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Alors qu'avant, ça disparaissait pas toujours sur PSP. Je prends toujours le modèle de PSP puisqu'en fait, j'ai joué à tous les Monster Hunter sur PSP et je les ai finis à 100%. Mais je n'ai pas joué sur Wii, je n'ai pas joué sur DS et je n'ai pas joué sur PS2. Pareil pour Monster Hunter. Frontier qui était lui aussi normalement un Monster Hunter Online en quelque sorte. Je n'ai pas joué non plus, mais voilà, j'ai joué à tous ceux qui étaient sur PSP. Ça serait bien que je combine tout ça. Donc voilà, là, je suis allé dans le panel des crafts possibles. On me dit que je peux le faire 3 fois. Donc je vais mettre 3 fois, hein. Je peux faire plus ou moins, mais bon, ça sert à rien de faire plus puisque je ne peux pas. Et je vais crafter. Voilà. Donc là, ça m'a donné des potions. Par contre, pourquoi elles sont différentes? Je ne sais pas. Est-ce que t'as des potions faibles, t'as d'autres qui sont meilleures et t'en as d'autres qui sont plus puissantes. Mais au niveau des statistiques, 10-1-5. 10-1-5, pourquoi ils ne le payaient pas ensemble? Ah d'accord, bon, voilà, ça fait un... Ils te les séparent. Ah, je pensais que... Qu'est-ce qu'ils font là-bas de l'autre côté, bordel? Ah... Des vélociraptors, c'est mignon. Ah oui. Pour sauter avec l'arme, puisque j'ai à chaque fois le réflexe de faire clic gauche. Pour sauter avec cette arme. Bon, vous voyez que ça bug un peu, hein. C'est embêtant, bien évidemment. Ils vont pas rester stuck comme ça, c'est pas les boss poteaux non plus, hein. Par contre, je vais profiter pour des PC. Comme je le disais avant, et j'en reviens à l'autre, au combat. Il faut clic droit pour se projeter en avant pour attaquer le monstre, et pas clic gauche. Pourquoi je dépèse maintenant? Parce qu'en fait, le temps que t'attaques l'autre guignol qui te venir est stuck comme une grosse merde, les autres monstres vont disparaître. Parce qu'en fait, les monstres, quand ils meurent, ils ne restent pas au sol longtemps. Mais comme ils ne restent pas longtemps au sol, et ben ils disparaissent. Et si t'as pas eu le temps de les dépecer, tu récupères pas ton loot. C'est vraiment con. Donc, voilà. J'ai pu récupérer ce que je voulais. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah bah là, ils me proposent de faire le craft, mais bon, je l'ai déjà fait, moi.
Tac. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? J'ai juste fait une potion. Bon, voilà, quête accomplie. Donc là, le petit moment, voilà, à chaque fois il nous montre un screen. Bon, c'est là, c'est Akenov parce que c'est moi qui ai fait ce qu'il fallait. Mais je pense que quand vous serez en groupe, ils mettront plutôt en grand la personne qui aura par exemple finish le boss. Enfin, le boss, là où il hiverne. Et là, vous aurez peut-être un screen personnage, je sais pas trop à quoi ça sert exactement. Donc là, à chaque fois, en fait, t'as un rang quand tu finis ta quête. Donc t'as celle de bronze, sûrement, d'argent d'or. Enfin, sûrement que t'as un. Un peu comme à la manière de Dragon Ball Z, quand vous finissiez les combats, on vous donnait un rang. Je crois que Naruto il faisait pareil, hein, les jeux sur Naruto. Et il vous donne un rang sur la mission, comment vous l'avez fini ou pas. Même Soul Calibur, on le fait d'ailleurs. Et là c'est à peu près pareil. Bon, là j'ai 0%, je sais pas quoi correspond les trucs. Bon, là c'est le temps que j'ai mis. 103, je ne sais pas trop. Pourcentage, je sais que plus tard ça va changer, hein, avec des combats, etc. etc. Et là, tout ce que vous avez gagné, ça doit être 138, ça doit être. L'XP. Ça doit être l'XP. Et là, il y aura les objets que je vais avoir gagné ici aussi. Là, pour le reste, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est le Féline qui a gagné autre chose? Est-ce qu'il montre aussi ce que les compagnons ont gagné? Je ne peux pas vous dire. Alors là, j'ai fait un truc bizarre. Bref, on va voir la quête. Donc voilà ce que j'ai gagné, la pioche pour miner, la sorte d'épuisette, je sais que c'est pour la pêche épuisette, mais là je sais pas comment on dit déjà pour papillon, je crois que c'est pareil peut-être. Allez, raboule tes quêtes. Donc là faut que je parle à un guignol. Bon, c'est tout ce que j'avais à faire. Le compagnon, le guignol qui sait pas balancer ses grenades. Sorte de grenade, les vieilles grenades, je sais pas si vous avez regardé, c'est avec un manche et la grenade en elle-même dessus, un peu comme les grenades allemandes. Donc là, la quête me fera gagner une tête de Vélocidrome, sûrement plutôt. Est-ce qu'il faut que je retourne dans le combat déjà? Je pense que oui. Ouais, c'est parti. Donc pour cette fois, je pense qu'on va tuer un plus gros dragon. Ah voilà, les 4 portions que je vous parlais. Donc bien évidemment, vous pouvez faire salaud et tout prendre. Potion, voilà, c'est limité à 9 ou à 10. C'est quoi ça? 10, 1, 5. Là, il a un malus de 5, vu que c'est en rouge. Lui, il en a pas. Donc par rapport à la quête d'avant, j'ai déjà gagné 2 fossiles de dragon là de Wyvern et 2 écailles sûrement. Ouais, je crois que c'est des écailles de Vélociraptor. Pourquoi je peux pas le mettre dans mon truc? Bon. Je viendrai après tout à l'heure au tutoriel, enfin au tutoriel, aux explications par rapport pour les nouveaux, à quoi ça sert tout ça. On va essayer l'aiguiseur pour que vous voyez, pour les nouveaux aussi, comment ça marche. Donc là, ma lame, elle était déjà au maximum, vu qu'elle est à chier déjà, de base. Mais en clair, il suffit de faire ça, tac, c'est aiguisé. Voilà le temps à peu près que vous mettriez pour que ça fonctionne. Voilà, alors ça, c'est le Vélocidrome, qui est le mâle alpha des Vélociraptors à la con. Donc je vais peser un marqueur. Voilà, vous voyez, gros point rouge en haut à droite. Et voilà, donc si je fuis. Merde, à chaque fois j'oublie. S'il fuit dans une autre zone, vous pourrez savoir où est-ce qu'il est passé. Je préfère tuer les petits. Pour pas qu'ils nous embêtent. Bon, il a l'air de se barrer de l'autre côté. Mais les autres, ils font un focus sur le chat, quoi.
pour ceux qui s'en doutent, on ne voit pas la barre de vie du monstre. Donc il y a quelques états, on va dire, de faiblesse de la part des wyverns pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Par exemple, vous voyez que de temps en temps, on les fait valdinguer, les monstres. Donc là, c'est parce que vous avez asséné un bon coup. Donc ils sont carrément morts. Ouais, je me perdais. Je me permets de prendre ce qu'il me faut. Par contre, si vous êtes en train de dépecer le monstre et que celui-ci disparaît avant que vous ayez le loot, vous ne lootez rien. Les salauds. Par contre, de ne pas pouvoir bouger son arme, de la diriger. Ah voilà, un état de faiblesse. Tu vois. Comme quoi, il s'est pris de bons coups dans la tronche. Bien évidemment, comme on a une arme de merde, que le fusil arbalète est trié, je ne sais pas s'il arrive à bien viser, sûr. Bref, on fait pas beaucoup de dégâts, quoi. Qu'est-ce que c'est long. Mais bon, faut pas s'étonner non plus, hein. Toujours pour les nouveaux qui n'ont pas joué au Monster Hunter avant, il y a des dragons, vous allez mettre une demi-heure, hein, à faire que de taper, à essayer de les chasser, etc. Une demi-heure pour le tuer. Hein. Ah, ma lame qui est épuisée. Ah, un petit truc que je vais vous expliquer. Merde. C'est ça, le truc à pas faire. C'est, vous avez vu, je me suis rattrapé quand j'ai quand il m'a bousculé. En fait, faut faire espace quand tu te... Je sais pas s'il faut le spammer ou s'il faut faire au bon moment, mais tu fais espace pour essayer de te rattraper. En fait, à la place de tomber comme une grosse merde, le mec, il retombe sur ses pattes. Sur ses pattes. Sur ses pieds. Ce serait bien que je puisse avoir un autre exemple. Bon, là, c'était une petite attaque. Encore une petite attaque. Il faut un gros pour qu'il me projette. Ce serait bien. Allez, attaque-moi. Bon. Je crois que je vais le buter. Hein. Puisque de toute manière, vous voyez ce que je veux dire. Donc au contraire de la PSP où on pouvait le dépecer que deux fois, celui-là on peut le dépecer que trois fois. Bon d'accord, je suis en train de dépecer, bordel. Un petit piège électrique pour ceux qui ne connaissent pas. Un baril pour faire exploser. Oh, toujours signé de lui. Je vais vous expliquer. Pareil pour les nouveaux. Je vais arrêter de dire les nouveaux. À quoi servent les barils? Bien sûr, à faire des dégâts, mais comment il faudrait les utiliser? Alors, j'aimerais dépecer mon monstre, s'il vous plaît. Bon, la quête, elle est finie, comme vous voyez. T'en as... Ah non, je peux le dépecer que deux fois, ou j'ai dépecé pendant la cinématique, peut-être. Il a disparu, donc je vais pas avoir le loot. Je disais donc, pour les barils, baril jaune, baril rouge, grosse baril rouge.
La barrine rouge, la barrine jaune. On va dire que c'est celles qu'on voit le plus, puisqu'on peut les acheter directement. Alors que la grosse barrière, il faut faire un craft. Si mes souvenirs sont bons, c'était un type de poisson que tu combinais avec, avec un baril. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Mais c'était de cette manière qu'on faisait un baril surpuissant. Donc là, j'ai eu 100%. Avec 44, mais je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que j'ai looté? De la peau et des griffes, si vous vouliez savoir ce que c'était. Alors, tac. On va aller rendre la quête. Ah, monsieur. Allez. Donc, à tête de Vélocidrome, des ossements de Wyvern. Et l'argent, comme d'habitude. Mais bref, pour retourner un peu au baril, la barille jaune, c'est la plus faible, barille rouge, moyen. Grosse barille rouge, c'est la plus puissante. Les cas à utiliser le baril. Bien évidemment, en plein combat, il serait absolument pas judicieux de poser un baril comme ça. Surtout que il suffit que vous donniez un coup dedans ou qu'un coéquipier sans faire exprès tire une flèche ou une balle dedans, ça explose. Si en plus vous êtes dedans, quand ça va exploser, il va y avoir beaucoup de dégâts. Et je crois pas que votre coéquipier va vous remercier, bien évidemment. On va dire que les cas à utiliser, hein, force majeure, et à tout le temps utiliser, c'est quand le monstre est piégé, quand vous êtes sûr qu'il va pas bouger. Ou que vous saviez déjà d'avance où est-ce qu'il va aller et que vous êtes sûr que personne d'autre va faire péter votre barine à la con. Par exemple, vous pourriez le piéger via le piège électrique, mais attention, pourquoi est-ce qu'elle a pété cette bombe, hein, quand le mec s'est rapproché? Tout simplement parce qu'en fait, le piège électrique, l'électricité, a fait exploser la bombe. Donc ne pas utiliser de baril quand vous avez piégé un monstre avec le piège électrique. L'erreur à ne pas faire. Donc, dans quel cas vous pouvez l'utiliser? Ce serait quand le monstre serait enseveli un peu sous le sol, là, qui serait piégé. Donc c'est un bon moment. Le filet. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je sais qu'il y a des états pour le monstre où... des armes de type élémentaire, j'en reviendrai plus tard. Par exemple, une arme qui ferait des dégâts électriques pourrait l'électrocuter. Mais vu qu'en fait il serait électrocuté de l'intérieur, je crois que les petits jets électriques qui ressortiraient un petit peu de son corps pour vous montrer qu'il est paralysé, ça ne vous fera pas exploser les barils. Et après, l'autre cas où vous pourriez utiliser un baril, ou plusieurs barils d'ailleurs, il ne faut pas en mettre qu'un pour faire de bons dégâts, il faut en mettre plusieurs, ce serait de vous le mettre sur, par exemple, au milieu de la map, vous êtes sûr que personne ne va le toucher. Là, vous faites en sorte que vous êtes là-bas, vous mettez bien loin un peu derrière des barils, et quand le monstre va vous foncer dessus, il faudra qu'il y ait un collègue, qui soit à l'arc, soit au fusil arbalète, pour qu'il lui tire dedans. Donc là, au moins, c'est pratique. Si vous êtes tout seul et vous voulez faire ça, et que vous avez plutôt des armes de corps à corps, essayez de balancer un projectile, une pierre ou même un marqueur devrait normalement marcher pour faire péter le baril. Donc c'est à utiliser. Par contre, là, j'ai besoin de parler au PNJ. Voilà. C'était juste parler. Donc voilà pour ce qui est des barils. Faites très attention parce que... deux barils rouges, parce qu'en fait, les barils jaunes, je crois qu'on peut en poser deux ou trois. Et d'ailleurs, les barils jaunes, elles ont un... elles sont pas... comment dire... les barils rouges, en fait, tant qu'elles sont pas touchées, elles pètent pas. Alors qu'un baril jaune, lui, il a une mèche. Et il pète, genre, 4-5 secondes après. Donc faites attention, par exemple pour les gros monstres qui se déplacent très lentement, tu poses des barils rouges, tac tac tac, et si tu veux que ça pète au bout de 5 secondes sans avoir balancé de projectile, tu mets un petit baril jaune, qui lui va péter de toute manière, puisqu'il a une mèche. Donc au moins, en plus des dégâts de la barille jaune, le monstre prendra les dégâts des autres barils. Je crois que les barils jaunes, on peut en poser 2-3 sur le sol, en même temps. Les barils rouges moyennes, ça doit être 3. Et les grosses barils, c'est 2. Ou peut-être 1, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a une limite de pouvoir poser les barils en même temps. Et si vous êtes avec des compagnons d'armes, le must ce serait donc que chacun pose ses barils pour qu'il y en ait vraiment un max au total. Et je peux vous dire que si le monstre passe bien au-dessus des barils et que vous le faites péter au bon moment, il va tout de suite tomber par terre. Là, c'est clair et net, ça prend beaucoup de dégâts, à part si le monstre, c'est un gros truc qui aura pas mal. Et ça m'étonne.
J'ai fait tomber quelque chose. Je vais le rattraper. Alors. Ça, c'est l'autre partie du village. Avec. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est le chef du village. Donc, pour l'instant, on me donne rien du tout. Mais il nous donnera des quêtes plus tard. Il y a les marchands. Ça, c'est encore un PNJ. Qui peut-être proposera d'autres choses après. Mais là, il y a le marchand, par exemple. Donc là, c'est ce que vous allez lui vendre. Il n'y a rien d'intéressant à vendre, il faut garder plutôt les crocs, les écailles, etc. etc. Faut garder pour le craft d'armure. Mais là, vous pouvez acheter donc une potion bleue, je sais plus ce que c'est, peut-être de l'anti-poison. Ah, c'est des. T'as des bonus d'attaque. T'en as, c'était des bonus d'attaque. Je sais plus à quoi ça sert exactement. Tu peux m'acheter des ossements? Ça m'étonne, tiens, avant on pouvait pas. Voilà les barres jaunes et barres rouges que je vous parlais. Bon allez, j'en achète. J'aimerais en acheter deux. Voilà. Comme ça, on pourra faire des tests lors d'une quête pour vous montrer ce que je vous disais. Donc, ça, c'est les tokens, 20 tocens pour en fait changer d'arme. Tu as arc, arbalète, grosse épée. Marteau, Tai Chi. Et là, t'as d'autres marqueurs pour avoir des cadeaux, etc. Et là, alors là, je sais pas, c'est des stuff assez héroïques, je pense. Mais là, t'as 80 épaulettes, je sais pas ce que c'est. Donc, truc à looter, bref. Faut que je vous montre le système de coffre. Alors, tu vois, c'est quoi ça? Je sais ce que c'est. Merde, je crois que je les ai vendus comme un con. Ça, c'est le coffre de. Quand tu finis une quête, ils vont te donner des ressources. Ces ressources sont dans une sorte de coffre d'attente, on va dire. Et ce coffre-là, bah, tu vas reprendre tes ressources pour mettre soit dans ton inventaire, soit dans ton coffre qui lui est permanent. Est-ce que eux, ils vont rester pas longtemps? Je ne sais pas. Mais voilà. Faut que je vous parle aussi des objets pour prospecter. Les objets pour prospecter, est-ce que c'est les mêmes? T'as plusieurs types de pioches, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais il veut pas. Ok. 5. Un stack de 5 maximum. Les outils pour prospecter, on a donc la pioche. Donc pour tout ce qui est minerai, t'as différents types de minerais qui te permettront de crafter armes et armures. Très important. La puzette pour capturer des insectes qui eux vont te permettre de faire des crafts pour avoir, je sais pas, des bonus. Des bonus au niveau des potions, ça peut aussi te servir à crafter aussi, oui, tu peux crafter avec des insectes, me demande pas non plus pourquoi. Il y a la pêche aussi, mais je crois pas que tu aies besoin de canne à pêche, à part peut-être que dans cette version, t'en aies besoin. Et c'est tout, je sais pas s'il y a d'autres outils, dans le pire des cas, s'il y en a d'autres, on les verra ensemble. Donc, lui il te propose, parce que j'avais pas vu, il propose trois trucs. Donc le premier, je vais acheter quand même un bail jaune. Allez hop. Juste un. Les autres trucs qu'il te propose, c'est les munitions pour les arbalètes. Donc sommeil, électricité, explosion, enflammé, tranchant, performant, enfin ce genre de trucs. Et le troisième onglet. Des potions de buff. Ouais, contre le froid, contre la chaleur. D'ailleurs, faut que je vous en parle de ça. Les potions contre le froid et la chaleur, en fait, t'as différents types de maps. Et par exemple, quand il va faire très chaud dans le désert, ta barre d'énergie va descendre beaucoup plus rapidement. Pareil quand il fait froid. Et donc, il est préférable de prendre une potion contre ces éléments pour pouvoir ne pas avoir de malus. Et je crois bien que quand il fait très très froid, je sais pas si t'enlèves un petit peu de vie, petit à petit, je sais pas. Je sais que le poison, oui. Donc il faut prendre aussi une potion de contre-poison qui lui va t'enlever à chaque fois un petit bout de vie. Il serait préférable donc d'être prêt selon la map où vous allez. Et ça, tu vois, j'ai un mail, mais je sais pas comment faire. Tant pis. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, faut peut-être que j'améliore mon épée, je pense. Donc là, c'est le mec
qui va te permettre de réveiller tes armes et de renforcer ton armure. En fait, t'as deux de PNJ, t'as lui et t'as un autre beaucoup plus baraque. Et en fait, dans Monster Hunter, t'as trois trucs, t'as trois moyens d'améliorer ton équipement. Donc t'en as un, c'est le réveil de l'arme, donc pour pouvoir mieux le spécialiser dans soit dans des pouvoirs élémentaires, ce genre de choses. Alors que le renforcement de l'armure, ça permettrait d'augmenter ses statistiques. Et il y en a un autre, alors bougez pas parce que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder. Alors voilà, réveil de l'arme. En clair, ce PNJ nous proposerait d'augmenter les capacités de nos armes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va devoir dépenser de l'argent pour y parvenir. Pour améliorer ses capacités, etc. etc. Il y a la dérivation de l'âme, qui lui s'est fait par le mec qui est baraqué. Un sort de. Avec des oreilles pointues, je sais pas ce que c'est comme race. Qui lui en fait va. Soit via de l'argent, soit via des ressources. Va permettre en fait. T'as un sort d'arbre de talent pour ton arme. T'as l'arme de base et en fait t'as plusieurs chemins, comme un arbre, qui va donc te permettre de le spécialiser. Et la dérivation de l'arme en fait ça va te permettre donc, grâce au type, d'augmenter dans cet arbre. Donc pour améliorer aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, et ce type-là qu'on voit, qui lui s'occupe en fait du réveil de l'arme et du renforcement de l'armure, je n'avais pas tort. En fait en consommant de l'argent. Donc pas via des items ou quoi que ce soit, c'est l'armure du chasseur peut être renforcée au niveau des statistiques. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et donc voilà, ça augmente juste les capacités de ton stuff. Hein. Donc on va essayer de. Tu peux bouger ton truc, s'il te plaît. Voilà, tu vois là. Bon là, il m'a aidé à chaque fois. Il va te permettre de crafter donc différents types d'armes avec différents types de ressources. Tu vois, j'aurais pu me crafter plutôt un katana. J'aurais bien aimé un katana, tu vois. Mais là, je peux pas. Tu vois. Ah. Là, c'est minerai. 4 minerais pour faire un truc en acier comme ça. C'est bien cette prévisualisation. On n'avait pas autant sur PSP avant. Tu vois, là, c'est une tête de. C'est le gros castor à la con qu'on a vu au début, là, qui m'a fait chier. Là, il faut une tête de ce castor à la noix. Deux ossements, là, je sais pas ce que c'est exactement. C'est nouveau, on n'avait pas ça avant. Pour pouvoir le crafter. Ça, c'est truc de Yen queue de cul. Tu vois. Ah! Ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire? Les 80 trucs comme ça, là. Qu'on savait pas ce que c'était, qu'il en fait les 80. Ça doit être les écailles de Yen queue de cul. En plus d'avoir beaucoup d'argent pour les crafter. Donc, ça doit être un stuff de Yen queue de cul, je pense. Donc, là, tu vois, t'as plusieurs pages en fait pour ton marteau pour crafter. Le mec, il te propose plusieurs trucs, quoi. Ça, c'est Gypseros. Un Weaver Navière qui fait partie de la famille un peu des. Des Yen queue de cul, c'est des sortes de dragons un peu cons. Donc là c'est pareil, c'est des minerais qu'il faut choper. Et 16 têtes. Putain, ça fait beaucoup, hein. 16 têtes. Merde. Je sais plus le nom de ce monstre. Un monstre à cornes, deux cornes. Son surnom c'était El Diablo. Parce qu'il est dans le sable et en fait il a deux putains de cornes, il est assez féroce. Si je me trompe pas, hein, j'espère pas. Ouais, ça doit être ça, c'est celui-là je pense. Ça, je ne saurais vous dire, je m'en rappelle plus. Peut-être la Rassian, c'est donc la femelle du Rathalos, hein. Un autre dragon, un autre wyvern. Donc voilà, donc là tu vois, t'as les arbalètes. Trois pages toujours, je crois. Attends, trois pages, trois pages, trois pages, ouais, trois pages. Donc voilà ce qu'il nous propose. Et il est sympa celui-là. Un petit côté chinois. Oula! Il y en a qui vont s'amuser, je le sens dans les crafts. Il y en a qui vont s'amuser. Ah, c'est dégueulasse. Le Kezu, rouge. Un monstre de type électrique qui te balance des boules d'électricité. Il fait très mal, ce salaud. Et en fait, il a une sorte de ventouse. Sa queue, c'est une sorte de ventouse qui va accrocher au sol. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir te balancer des trucs électriques. Normalement, la queue du Kezu, tu peux pas la couper. Mais c'est vrai que si elle rajoutait dans le jeu, là, dans Monster Hunter Online, ça pourrait être sympa. Tu coupes la queue, il pourrait plus te balancer de boules électriques. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ça c'est le. C'est un Weaver Navière. Je me rappelle plus son nom. Ça c'est le. Excusez-moi, ça c'est le Yen Q. Donc là c'est les arcs.
pour les informations, pour ceux qui voudraient, ça c'est une cut cut bleue. Il y a deux, il y a une cut cut rouge, hein, c'est une cut cut de base, on dit pas rouge. Hein. Il est un peu rouge, rose, jaune. Et t'as une cut cut bleue qui est un peu plus féroce. Mais pour ceux qui s'intéresseraient à ce que je joue, parce que sûrement que plus tard je vais changer d'arme, c'est pas l'épée bouclier que je vais garder, ça sera le Tai Chi. Donc c'est un katana. Et je joue aussi archer. Ça m'a l'air de pas être Tai Chi ça, mais plutôt les grosses épées tout court. Tu vois, je me suis. Non, c'est Tai Chi. Parce que tu vois, les grosses épées sont là. Donc Tai Chi, de voir des armes comme ça, ça m'étonne un peu. On dirait des. Je me rappelle pas qu'on avait ce genre de truc, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. On dirait Soul Calibur, quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc. On se bat pas avec deux katanas, hein. Ça, c'est... ça doit être le fourreau. Hein. C'est pas. On se bat pas avec deux katanas, c'est pas possible. Ouais, c'est le fourreau. D'ailleurs, celui-là, j'aime pas trop. C'est avec le monstre qui a été teasé pas mal de fois. Je sais plus son nom aussi. Ça non plus, ça doit être fait. Ouais, tu vois. Tête de Gypsero, c'est que du fer. Hein. Donc, nous, ce qui nous intéresse. c'est dégueulasse. Tête de Gypsero, c'est la con, là. J'aime pas ce monstre. Il est débile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est possible à faire. Donc, tu vois, c'est écrit en jaune. En bleu, pardon. Ce que tu peux faire, alors que là tu peux pas, tu peux pas. Là t'as même pas le niveau, niveau 10, niveau 5, niveau 1, niveau 5, niveau 5, niveau 1. Et là t'as ce qu'il faut. Là il te manquait quelques ossements et une tête, et on aurait pu faire ça. Un peu comme la meuf, la PNJ qui est avec nous. Mais là on nous demande de faire plutôt ça. Bon, donc on va le... Voilà, je l'ai obtenu. D'ailleurs, je retourne dessus. Là t'avais... Ah ça c'est acheter ça plutôt, pas créer. Je peux m'acheter du stuff, tiens. On va faire juste un clic droit. Tu entends le son. D'ailleurs, on peut acheter des armes de base déjà. T'es pas obligé d'attendre des tokens, mais bon. Les armes, elles vont être très faibles. Je réfléchis. Ouais, non. On va gaspiller de l'argent pour rien. Vaut mieux attendre d'avoir des tokens pour acheter une bonne arme. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. En fait, tu tapes par exemple du niveau 5 au niveau. 8, et là il va te proposer tous les stuffs entre 5 et 8. Sachant qu'il n'y a pas de stuff entre 5 et 8 à part ceux des niveaux 5. Et c'est assez sympa quoi. Ah, ça c'est les armures. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce. Vas-y, viens là toi. Ça c'est du truc de Vélocidrome, Vélociraptor. Ça c'est les trucs avec les cochons, je crois. Et ça, je sais pas trop. Ça, c'est de type violet, comme ça, ça me fait un peu ressembler à rappeler plutôt au truc d'insectes. Puisque tu peux farm. Après, tu pourras crafter des stuff faits avec. Avec des insectes. Tu vois, insectes. Avec quelques crocs à la con. Donc, c'est des ensembles, hein. C'est toujours des sets, hein. Ils te proposent toujours. Ouais, c'est pour ça ce que ça fait. Faut rigoler un peu. C'est un Amazon de bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il te permet de crafter des armures, tu vois. Pour le réveil d'... Par contre, pour réveil de... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut réveiller les staffs et tout. Ça me propose pas tout de suite. Je pense qu'on verra ça plus tard. Alors tu vois, je vais m'équiper du stuff que je viens de m'acheter au préalable. Donc voilà le personnage hein, qui ressemble plus à autre chose. Bon, c'est sûr qu'à côté, il y en a qui sont mieux stuffés. Je sais pas quel est son niveau. Donc là, il faudra que je parle à l'autre. J'avais pas fait gaffe. Alors. Qu'est-ce qu'il va me demander de faire, lui? Parler à quelqu'un d'autre. Par contre, pour ceux qui ont remarqué, tu vois, c'est différent. Là, t'as un PNJ, c'est une bulle avec 3 points. Et l'autre, t'as une tête de. Je sais pas ce que c'est pour avoir des interactions. Donc dans tout ça, t'as PM, t'as pas regardé le stuff, hein. j'ai pas vu. Je sais même pas ce que c'est. T'as la possibilité de PM, d'inviter groupe, d'ajouter en ami, ce genre de choses. Après, il doit y avoir beaucoup plus de trucs, mais je ne peux pas vous dire les détails jusqu'à maintenant. Donc, l'autre. Tu me donnes ce que je veux, s'il te plaît. Merde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle me veut?
Shift. Pourquoi shift? Peut-être juste pour courir, non? Ah, tu vois, je l'ai parlé. Et maintenant, on a encore de bouger ailleurs. Les mecs, ils doivent donner des informations assez intéressantes, mais comme moi, je pige rien du tout. Avec le coucou, toi. Qu'est-ce que tu me veux? Ne me faites pas de mal. Tiens, il m'a donné un bouquin, tiens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tiens, la bouffe, on peut faire quelque chose. J'ai l'impression. Non, mais pas toi. Ton chapeau bizarre, là. Ah, tu vois, t'as deux boutons qui apparaissent. Là, c'est il dégage. Et t'as l'autre, tu sais pas trop. Avec le bruit, on dirait en fait un retour en fait. Bref, dommage, on peut pas manger avec ses collègues. Compagnons d'armes plutôt. Parce qu'il y en a qui vont pas aimer que je dise collègues à chaque fois. Alors, je sais pas ce qu'il faut que tu me dois, mais tu me dois quelque chose. Ailleurs maintenant. D'ailleurs, lui il propose quoi lui? Des bouquins d'apprentissage, sûrement de craft. Et qu'est-ce qu'il proposait d'autre? Zut, j'ai appuyé sur le premier truc ou pas? Ouais, c'est aussi des crafts. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Craft peut-être de matériaux, on peut crafter les matériaux, on peut crafter donc les potions, tout ça. Mais on peut pas crafter nous-mêmes les armes. Faut aller voir un PNJ. Donc là on m'apprend un bouquin, je sais pas quoi il correspond. Donc je parie que il faut apprendre le bouquin en fait, tout simplement. Non, s'il te plaît. Peut-être changer de zone. Par contre j'allais vendre ce qui me sert plus à rien, et on avait dit qu'il fallait que je voie aussi pour mon coffre. Mon coffre, mon coffre, mon coffre, mon coffre. Je crois que c'était ici. Alors là, ça c'est le panel pour les quêtes. Pourquoi ils sont tous devant comme ça? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura un PNJ, mais c'est pour voir les quêtes des différents chasseurs. Je me rappelle plus où est-ce qu'il fallait aller. Il y a quelqu'un qui... Ah, ça c'est le PNJ qui va te proposer plusieurs chats pour toi. Mais comme j'ai pas le niveau ni quoi que ce soit, je peux pas les acheter. Qui seront à ton service pour... Sur la PSP, c'était pour cuisiner, pour t'accompagner lors des combats, etc., etc. Donc là, je sais pas trop... Ah, il est là, le coffre. Voilà. Je crois qu'il faut peut-être parler au PNJ. Allez, hop. Alors, 0 sur 200, avec une page et deux pages. Donc ça, c'est... je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était tout à l'heure, hein, pour récupérer de stuff. Mais donc, je vais vous montrer... ça, je vais peut-être en garder que 5, c'est suffisant. Donc les écailles, tout ça, tu les gardes. D'ailleurs, je crois, je suis pas sûr, je préfère pas dire de conneries, que par exemple, tu vas voir le mec qui réveille les armes. T'as pas besoin d'avoir les ressources nécessaires, il va aller directement dans ton coffre. Donc c'est assez pratique. Et donc... ah non, on pouvait pas voir... Donc tout à l'heure quand j'ai dit qu'on pouvait voir son coffre sans aller le voir, c'était autre chose, c'était une erreur de ma part. C'est un rangement automatique quand tu cliques ici. Mais bref, on va aller sûrement faire d'autres quêtes. C'est juste pour faire beau. Donc pour l'instant, on va pas aller s'aventurer partout, on va faire ce qu'on nous demande, assez linéaire de cette façon, mais ça nous permettrait donc de savoir un peu mieux comment se diriger. De toute manière, on verra tout, ça c'est sûr, donc dans plusieurs autres épisodes, mais on est sûr de voir tout ce qu'il faut. J'ai dû passer niveau 2 en fait, une connerie. Je vais vous montrer en fait ce qui me fait penser à ça. Fallait retourner où? D'ailleurs, regardez en bas. Et les boutons, tu vois, t'as des coloris tout autour, genre t'as reçu quelque chose, tu vois. Donc ça nous indique... tu vois, j'ai fait toutes les quêtes, là. Mais j'ai peut-être commencé à faire ça, je sais pas. Tu vois, je peux pas cliquer. Ça me donne des informations, par contre. Mais je sais pas... Pas trop. Qu'est-ce que c'est que... Je pouvais pas l'ouvrir, ça, tout à l'heure. Le J...
ça pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Tête de féline, est-ce que tu auras des différents félines peut-être? Ah oui, des entraînements de félines peut-être aussi. Puisque selon. Je vous mettrai dans le descriptif les articles qui récapitulent tout ce qu'il faut. Tu pourras entraîner ton chat en fait pour qu'il augmente ses capacités et donc d'adapter différents types d'entraînement. Mais vraiment, lisez, il n'y a que 3 articles. Vous lisez entièrement les 3 articles, vous êtes au courant de tout. Sans déconner. Vous êtes au courant de tout ce qui a pu se faire dès le début du développement de Monster Hunter jusqu'à maintenant. En plus, avec les vidéos que je vais vous faire, donc dans environ une heure à chaque fois, je sais que là je dépasse un peu, ça fait 1h10, peut-être un peu plus. Vous serez vraiment au taquet niveau information. Hein. Quelqu'un vous pose une question, vous serez capable de répondre. À part peut-être ceux que je n'ai pas encore traités, puisque ça dépend du jeu. Et comme j'avais pas encore accès à la bêta avant, c'était un petit peu d'argent. Parce que, oui, bien évidemment, je n'ai pas. Comment dire, je n'ai pas. Quand j'ai créé les articles, je n'avais pas encore accès au jeu. Donc il y a pas mal de trucs que je n'étais pas encore au courant, mais que c'était selon le site officiel. Donc là, on va se faire une petite quête. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. À savoir que le deuxième devrait arriver assez rapidement. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de décalage. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont nous emmener ensuite. À vrai dire, là, à partir de ce moment. C'est où je me suis arrêté. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller, où est-ce que les quêtes vont m'emmener. Donc c'est à partir de ce moment-là où on va être tous ensemble à découvrir ce magnifique jeu. Ouais, toujours des stacks de 5, donc pas oublier d'augmenter sa ration tout de suite. Puisqu'en combat, c'est assez difficile de pouvoir manger ce genre de truc alors que t'as un dragon qui te fonce dans la tronche. Donc c'est parti. Donc tu vois là en haut à droite, t'as la zone 2 qui clignote, donc on va aller dans cette zone 2. Ah, un buffadrome si je me trompe pas. Dans la famille donc des sangliers. Donc il te charge en fait. Ses attaques c'est chargé, soit il se retourne comme ça, mais en fait tu verras, je te montrerai en fait au bon endroit. Il y a un certain moment où en fait il va. Tiens, tu vois, l'autre il a posé un piège. Faut que. Le team suit, tu vois, c'est ça la technique. T'as un de tes coéquipiers qui pose un piège, t'essaies de devenir l'appât de ce trou du cul là, pour qu'il te fonce dessus, qu'il soit électrocuté. Et s'il était super bien blessé et que c'était un dragon et que la mission te demandait de le capturer, là tu balançais tes trucs de sommeil. Pourquoi Z? Ouais, y a une plante à côté, c'est pour ça. Là tu as t'as plusieurs états. D'ailleurs, les états, je sais que j'en avais parlé un peu il y a une demi-heure peut-être. Il y a plusieurs états. Donc là, en fait, quand tu auras beaucoup de buée qui va sortir de son groin, c'est qu'il sera très énervé. Il est déjà, tu vois. T'as même un peu de fumée noire. Il est très 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 énervé. Tu vois, même au niveau des pieds, en fait. Tu sais, en fait, quand un monstre est très énervé, ses attaques sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissantes. Donc, faire très attention. Si tu connais le monstre et tous ses mouvements, c'est que du bonus pour toi. Ça t'évitera de mourir comme une grosse merde. D'ailleurs, à savoir. Que si l'équipe. Bon, sur PC ça doit être la même chose hein, sur Monster Hunter Online, mais par exemple vous êtes 4, mais il suffit qu'il y ait 3 fois un des membres qui meurt, même si c'est la même personne ou si c'est tous des membres différents qui meurent chaque fois, il suffit qu'il y ait 3 morts pour que la partie prenne fin. Donc faites attention à ça. Pour ce qui est de retourner aux états des monstres, donc il y a celui où il est énervé et t'as celui des faiblesses. Un dragon qui va boiter, tu sais qu'il est en train de crever et que tu vas pas tarder à le tuer. Il y a boité, t'as d'autres états, ça c'est ce qui est super visible, c'est par rapport à donc boitement, etc. Les d'autres états qui se font en permanence en fait, c'est par exemple il y a une queue de cul, bon je sais pas dans quel épisode on va le combattre. Le fusil arbalétrier s'il fait bien son boulot et qu'il tire, d'accord, il casse ses armes. S'il tire à différentes parties, les différents endroits du monstre. Il y aura des trous, par exemple, dans ses ailes, il va avoir des cicatrices, etc., etc. Par exemple, sur sa tête, il va y avoir des cicatrices, des bouts de peau qui se sont barrés, etc., etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais qu'il y a les queues des wyvernes que tu peux couper à force de taper dedans. Donc, bien évidemment, lui, il se barre à fond, là, comme si tu l'avais castré le bordel. Et donc, la queue, elle peut être dépecée.
Tiens, tu vois, quand je suis tombé, j'ai fait espace au bon moment pour pouvoir. Attends, j'aimerais bien le DPC, voilà. Pour pouvoir me rattraper. Mais donc voilà, il y a plusieurs états et plusieurs indicatifs sur l'état du dragon, ça c'est sympa. Donc là, pourquoi est-ce qu'il m'a pas poussé quand je suis tombé? Donc tu vois, la partie elle est finie en fait. Et en fait, tout ce qui se passe après que le timing, enfin, dès que t'as fini le combat, ta mission, tu prends pas de dégâts, tu tombes pas quand ils essaient de t'attaquer. Toi par contre, tu peux les buter. Mais eux ils peuvent pas, parce que t'as fini ta quête. Après, est-ce que. Il y en a qui m'ont demandé, pour ceux qui connaissent pas, pourquoi alors est-ce qu'ils te proposent. Putain, c'est le bordel. Pourquoi est-ce qu'ils proposent une phase où en fait tu peux faire n'importe quoi? Parce que, imagine, t'as tué un dragon, mais il y a un de tes collègues qui était mort entre temps. Et il retourne à la base, donc tu vois, tout en haut à gauche, il retourne à la base, tu sais, c'est marqué par une petite tente. C'est à chaque fois quand tu vas être tué, tu vas réapparaître là-bas. Il faut qu'il ait le temps de retourner sur le monstre pour le DPC. Parce que par exemple, je sais pas combien de temps, ça doit être 30 secondes là qu'il nous faut attendre. Si tu tues un dragon, que ton collègue meurt et qu'il a pas le temps de revenir, le timing est fini et tout, bah il aura perdu le loot. Il aura pas DPC. C'est vraiment dommage. Donc je pense qu'en fait, il te laisse un peu de temps pour que le mec il ait le temps de revenir. Ou tout simplement que t'aies le temps de DPC parce que t'as fini le. T'as tué le monstre, la quête ça y est, c'est fini tout de suite. Donc ça te laisse le temps de DPC les monstres aux alentours. Donc j'ai gagné un cadeau, 150 crédits, et toujours premier palier. Bref, c'était le premier, c'était pas un gros combat. Je pense que c'est à partir du NQQ où là on pourra dire que les choses commencent sérieusement. Donc il me donne 2 tickets, bon enfin bref, après je sais pas où est-ce que ça va m'emmener. Qui te donne quand même un peu beaucoup d'argent et pas mal de d'XP pour un débutant quand même. Pour quelle raison je vais me battre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai pas récupéré les loots de la partie d'avant. Ah si, ça me les a mis directement, tu vois, dans le coffre, j'ai l'impression. Quoique non, j'ai gagné des têtes. J'ai vu, j'avais gagné une tête. Et je l'ai pas. Donc je pense qu'il faut attendre de retourner au village pour... Ça a l'air d'être du miel, ça. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait kick droit comme il le voulait, mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va récupérer ce qu'il faut... A savoir que les aiguiseurs, je crois que tu les gardes à chaque fois. Je suis pas sûr. Quoique non, non, tu... Voilà, c'est ça. Les items qui te donnent dans ce coffre bleu, à la fin du combat, tu les gardes pas. Pourquoi t'as un petit 2, je sais pas du tout. Bref, on va manger ce qu'il faut. Privilégier quand même de bouffer la ration qu'il te donne dans le coffre et pas celle que tu fais toi-même, puisque la ration qu'il y a dans le coffre. Non, je veux pas le jeter. La ration qu'il y a dans le coffre, elle est moins puissante, moins bénéfique que les rations que tu fais toi-même. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait. La bombe, tu vois, je peux pas le mettre dans les raccourcis. Je me vois pas en fait ouvrir l'inventaire et les poser avec un clic droit. Je sais pas comment ça se. Faut tuer ça, je pense. En fait, il est tellement petit par rapport à l'autre qu'on a fait tout à l'heure que tu sais pas si c'est le boss ou pas. Mais je pense pas, c'est pas possible. Ça doit être comme un vélocidrome de la même taille, de la même carrure. Mais vu qu'il y a beaucoup plus de vie, tu vois. On va essayer, tiens. Non, tu vois, j'ai jeté mon coffre. Mon bail, là, je l'ai pas. Je sais pas ce qu'il me. Est-ce qu'il faut peut-être que je range l'épée? C'est un peu bizarre.
Ouais, je m'en doutais un peu. Tu vois, j'ai fait espace au bon moment, je me suis rattrapé assez vite. Au lieu de m'étaler comme une merde. Le bruit que tu viens d'entendre, une sorte de sonnerie, je pense que c'est le chat qui a utilisé sa corne, une sorte de corne pour faire du bruit, pour prendre l'aggro du monstre. Donc là, tu vois, il y a de la buée, enfin de la buée. T'as de la merde qui sort de son pif, c'est qu'il est énervé. Par contre, j'ai l'impression que c'est du minerai à côté, on va voir si je peux le... Je pense que oui. Comme c'est des AOE ces attaques qui étaient au corps à corps, c'est un peu chiant par contre, faudra faire gaffe aux monstres qui sont AOE justement. D'ailleurs le chat il est passé où? Ah, tu vois en haut à gauche, il y a écrit une minute à côté du nom du chat. En fait le chat bien évidemment il peut pas se battre entièrement tout le temps, à un moment il va se mettre, pardon, il va être KO en quelque sorte. Bah non il est là, bon bah je sais pas, mais je sais que normalement le chat à un moment à force de se faire taper il va en fait se cacher en dessous le sol. C'est quoi cette position fœtus, bordel? Il va se cacher en dessous le sol, et en fait il va réapparaître au bout d'un autre moment, puisqu'en fait il est trop blessé, il va se cacher quoi. Mais bon, alors le 1 minute, je sais pas quoi il correspond. L'autre interface, enfin l'interface, l'autre, on peut dire ça, l'icône qui apparaît en fait à côté de mon pseudo, à côté du niveau que j'ai et de l'arme, en fait t'as un œil, ça veut dire que t'as la wyvern, ou la proie que t'es en train de chasser, donc n'importe quel autre monstre qui est assez conséquent, on va dire, à partir du vélocidrome, je crois. Je crois pas qu'ils te mettent ça pour des simples monstres. En fait, ils te mettent un œil comme quoi, bah, pour renseigner tes potes, comme quoi t'as un monstre qui te voit et que t'es sûrement en train de te battre contre lui. En plus de voir que ta barre de vie tombe. Alors j'aimerais le dépasser vite pour essayer de voir à côté si c'est bien le minerai ou pas. Allez, vite, vite, vite. Par contre, le truc bleu avec le signe infini, je pense que ça, c'est un... Je suis en bonus et pas en malus, en fait. À voir. Je crois qu'en fait ça devient rouge quand les éléments autour de toi sont en ta défaveur, un peu comme quand il y a beaucoup de neige. Ouais, c'est ça. Je mine, tu vois, tac, un minerai. Un deuxième minerai. Ouais, un semi. J'ai looté ça et j'ai looté ça. Je sais pas ce que c'est. Mais bref, des trucs qui vont nous servir pour. Voilà. Ça, c'est du miel, ça. À savoir que le miel, tu le combines avec des potions pour faire des super potions. Les minerais avant, c'était pas comme ça, c'était pas des rochers, c'était des failles, des sortes de failles dans la roche. Merde, tu vois, je peux plus continuer de ramasser. Hop là. Donc là, ah, tu vois, là, je sais pas, c'est la première fois. Ils me mettent ça, je sais pas où. J'ai gagné ça et ça, je... Est-ce que c'est en bonus? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire... Donc avant de finir ce live, on va voir un peu, on va rendre la quête et voir ces items là, où est-ce qu'ils sont passés. Et donc la bande, comme vous avez dû le deviner, la banderole qui apparaît là depuis tout à l'heure au milieu là, en gros c'est le nom du village, hein, où est-ce que vous êtes, le nom du lieu. Ouh, oh merde, non, ils vont me donner tout ça alors que je l'ai acheté. Merde, bon, je vais le revendre. Qu'est-ce que je voulais voir? Tiens, d'ailleurs, il y a un gros coffre qui est juste là. Hein. J'ai pas besoin de me déplacer à perpète les oies. Par contre, ça serait bien, c'est qu'ils se mettent pas tous devant comme des cons, tu vois. T'as toujours. Ah, j'ai pu inspecter un joueur niveau 21. Attends, on va réessayer. Tac, le dernier onglet. Et donc, tu peux l'inspecter. Est-ce que tu peux faire une prévisualisation? Non. Bref, level 21, tu vois ses statistiques, etc. C'est sympa. 2 étoiles, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Tac. Donc le coffre, ça vient d'où? Ah, c'est mis directement dans le coffre. Ce qu'il y avait en bas, c'était pas un truc en bonus, il te le mettait directement dans le coffre. Donc ça, c'est sympa. Donc on va mettre ça dedans. À savoir aussi, alors j'aimerais bien, je crois que c'est U pour craft. Donc là, tu vois, j'ai appris que ça. J'ai appris un autre truc pour crafter donc des pioches. Ce que j'aime pas, je crois qu'avant tu pouvais combiner via ton inventaire, tu pouvais combiner à la main. T'avais pas besoin d'apprendre des plans pour savoir combiner. Tu faisais au hasard et hop, tu voyais s'il y avait un résultat ou pas, mais là j'ai pas l'impression que je puisse combiner. Bon.
Je sais pas si c'est reparti pour une partie, mais je préfère finir là le live. Enfin, le live, le record, la rediffusion. On recommencera pour un deuxième épisode. Comme je l'ai dit déjà bien avant, qui se suivra du premier épisode. Hein. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour voir le deuxième épisode. Je pense que je ferai à chaque fois en fait des sortes de sessions d'une heure. Je pense que c'est amplement suffisant. Bon, là j'ai dépassé, je suis à 1h25, mais bon, on va dire que c'est le premier épisode. Donc il durera un peu plus longtemps. Pour que vous n'ayez pas grand-chose à regarder à chaque fois, que vous ayez toutes les informations qu'il vous faut, mais pas avec des gros formats. Parce que vous ne saurez pas où est-ce qu'il faut cliquer au niveau de la timeline pour savoir quand est-ce que sont les informations qui sont très intéressantes. Donc je pense que ce sera toujours des formats d'une heure. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'entre chaque épisode, soit je crée un personnage, soit j'attends. Mais je n'avancerai pas sans vous. Quand là je me déconnecte à cet endroit là, et ben je me reconnecterai à cet endroit là. Je n'avancerai pas, on avance tous ensemble, on voit tous en même temps tout ce que nous propose cet univers de Monster Hunter Online, qui est quand même un jeu, je pense qu'il vaut la peine. Il y en a certains qui étaient assez négatifs dans le sens où ils aimaient pas trop ce côté farm, mais je pense que sincèrement ça peut leur donner envie au vu des propositions qu'on nous fait maintenant au niveau du stuff. Des crafts, etc., de jouer avec tes potes, de te battre contre différents monstres sur différentes maps, etc. Après, c'est vrai que c'est assez répétitif au bout d'assez longtemps, je pense. Hein. Au bout de... Je sais pas pour vous, j'ai joué plus de 1500 heures sur tous les Monster Hunter confondus sur PSP, enfin, quand je les rassemble, hein, ces heures-là. Parce qu'en soi, sur chacun, j'ai dû jouer 600 à 700 heures pour les finir à 100%. Je pense que t'as quand même donc voilà pas mal d'heures à jouer avant que tu te fasses chier. Après, s'il y en a qui n'aiment pas du tout Monster Hunter, c'est qu'ils aiment pas le côté, je sais pas si on peut dire ça, du hack and slash. Tu vois, tu fais que de taper, mais t'as des techniques, tu dois connaître ce que fait le monstre pour pas te faire tuer. Enfin, c'est pas du bête hack and slash, t'as juste marcher et taper. T'as comment dire, un minimum de trucs à faire. Faut pas être con quoi. C'est pas simple. C'est pas un jeu simple, là ça avait l'air d'être simple parce que c'est pour du casu là au début, hein. Faut pas non plus mettre le niveau trop haut. Mais je pense que les choses vont sérieusement se compliquer vraiment beaucoup plus tard. Donc je pense que Monster Hunter pourra plaire à pas mal de gens, dont ceux qui avaient un avis assez négatif. Donc on verra tout ça, donc voilà au deuxième épisode. Donc je vous laisse et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée à vous. Et à bientôt pour ce deuxième épisode. Au revoir.